Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir lier votre compte Discord à Fortnite pour obtenir par exemple des récompenses parce que Fortnite est en collaboration avec Discord. Et là, regardez, actuellement, vous avez une récompense que vous allez pouvoir débloquer sur Discord. Donc, c'est une petite couronne de victoire. Mais pour la débloquer, il va falloir lier votre compte Fortnite à Discord. Donc, c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, pour lier votre compte Discord, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller en bas à gauche, ici dans vos paramètres d'utilisateur. Donc, c'est la même chose hein, sur téléphone, c'est exactement la même chose. Vous allez dans vos paramètres d'utilisateur. Ensuite, vous allez devoir aller dans connexion. Et ici, vous allez pouvoir ajouter des comptes au profil. Donc vous cliquez sur la petite flèche voir plus. Et là, vous cherchez le logo Epic Games. Vous cliquez dessus. Là, ça va vous diriger vers une page. Donc si vous êtes déjà connecté à Epic Games, il va être marqué connecté en tant que YouTube Soit Cool Mec. Donc votre pseudo. Si maintenant ce n'est pas vous, ben, vous changez de compte. Ou si maintenant vous n'êtes pas encore connecté, ben, là, vous allez devoir vous connecter soit avec votre adresse mail ou soit via PlayStation, Xbox, etc. etc. Donc quand vous êtes connecté, là, vous allez cliquer sur autoriser. Et là maintenant, ils vont vous dire un message que votre compte Epic Games est connecté à Discord. Quand c'est fait, vous allez pouvoir aller dans Inventaire et cadeaux et accepter les quêtes liées à Fortnite en cliquant sur Accepter la quête. Alors, information supplémentaire, si maintenant vous avez un problème avec l'association de votre compte Fortnite à Discord, ce que vous pouvez faire, c'est vous connecter directement à Fortnite.com. Ensuite, en haut à droite, vous allez cliquer sur le petit logo pour vous connecter. Et quand vous êtes connecté, vous allez cliquer sur Compte. Ensuite, vous allez aller dans Applications et Comptes. Et quand vous êtes ici, vous allez cliquer sur Applications. Si maintenant votre compte Fortnite est connecté au mauvais Discord, bah vous allez pouvoir tout simplement le supprimer en cliquant juste ici. Donc vous supprimez le mauvais compte Discord qui est lié à votre compte principal Fortnite. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à refaire les étapes que je vous ai expliquées pour relier le bon compte.